il s'agit bien, c'est le but de la plateforme en général d'ailleurs, de recueillir votre parole. Nous ne sommes pas là pour vous dire des choses, c'est nous qui sommes là pour apprendre de vous. On inverse les rôles en quelque sorte. Que vous nous aidiez en nous apportant un certain nombre d'appréciations, de critiques, de suggestions par rapport à cette question de l'orientation. Ce que nous voulons faire, c'est qu'également, il y ait des ateliers relais. C'est-à-dire où on puisse débattre entre nous, entre jeunes, entre adultes, entre étudiants, entre professionnels, peu importe. Et puis que la contribution à la plateforme soit du coup la contribution, non pas d'un individu, mais d'un groupe, et d'un groupe qui a débattu. Moi j'ai beaucoup aimé cette journée, j'ai le sentiment d'avoir vraiment été écouté en tant que jeune. Ils ont mis en avant une question à laquelle on a pu après se diviser en deux groupes, les accords, les désaccords, et après poser pourquoi et débattre. C'était vraiment très intéressant, je trouve, parce qu'au final, on a pu à peu près tous se réunir autour de cette question-là avec des points en commun et vraiment essayer de trouver quelque chose de constructif. C'est vraiment une journée qui a été instructive et constructive, je trouve. Selon moi, c'était constructif parce qu'il y avait quand même pas mal de jeunes. On avait la possibilité de parler, de faire des vrais débats avec des réponses, des questions, des pour, des contre. Donc c'était pas mal. On prenait vraiment en compte nos avis. On essayait de faire un ensemble de tous les avis positifs ou négatifs et ça donnait des résultats qui étaient plutôt concluants, donc c'est cool. J'ai trouvé ça bien, c'était une super expérience de pouvoir communiquer, dialoguer sur une vraie question qu'on se pose en ce moment, enfin pour la seconde, parce qu'il est peut-être temps de changer quelques trucs, faire des mises à jour, et voilà, je pense que c'était une bonne journée. Quoi. Le but est d'échanger nos arguments, il ne s'agit pas de convaincre à tout prix l'autre que mon argument était bon. Il s'agit de vérifier ensemble, et c'est un peu l'esprit de la maison d'ailleurs, quel va être le meilleur argument. Il ne s'agit pas de se rendre à l'autre, d'ailleurs quand je me rends à la raison, je me rends à personne d'autre que moi-même, d'une certaine manière. Et donc on est bien dans cet esprit-là, où il s'agit d'essayer ensemble de voir comment, à partir d'avis divergents, on peut rester en avis divergent, voire avancer ensemble vers un avis qui nous semble aux uns et aux autres préférable.